T'es très jolie, tu Et sens No très Choc, bon. tu es très joli, tu sens très bon. Merci No Choc pour ton follow, merci infiniment. Que du bonheur. Oui, bah écoute, ça va super. Un peu stressé là, je t'avoue, là, les premières minutes, c'est compliqué là. C'est le temps de me lancer. Alors, attends, je vais mettre un petit son pour me détendre. On va reprendre la playlist. Hein. Je vais essayer de baisser. Je sais pas si c'est pas assez fort ou trop fort. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. D'après mon mélangeur audio, je pense qu'on est bien. Donc bonsoir à vous, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc on va parler ciné dans ce stream, pour ce premier stream. Incroyable. Donc je peux déjà vous dire, hein, ceux qui me regardent, que si vous voulez qu'on parle de ciné, enfin, si vous voulez poser des questions, etc., n'hésitez surtout pas à lancer une question dans le chat, bien sûr. Je répondrai avec grand plaisir. Que ce soit du ciné, des séries, tout ce que vous voulez, on discute, on est bien. Donc le programme pour ce premier stream, donc normalement c'est jusqu'à 23h, hein, pour pas que je vais live. Donc on va commencer par quelques actus ciné, on va voir si c'est des actus ciné surtout. Et puis après donc on va parler du festival de Gérard Armé, dans quelques minutes. Ça va être rigolo je pense, on va voir des bandes-annonces, on va voir des films, on va pas voir des films mais on va voir des synopsis et tout ça, ça va être sympa je pense. Ok. Alors, avant toute chose, je vais tester mes scènes, hein, évidemment. Donc, on va directement aller sur Tutter. Parce que j'ai mis en fond dynamique. Ah oui. Merci, Inacha. Oui, bah écoute, bon, j'ai galéré à trouver ce que je voulais en fond. Bon, c'est des images de mon ordi, hein, clairement. Je me suis pas trop foulé, puis bon, mais à peu près tout ce que j'aime, hein, les jeux, les musiques, enfin les albums et les films que vous pouvez voir dans le diapo, c'est tous les trucs que j'approuve à fond. Donc je pense que c'est pas trop mal. Alors attendez, je voulais juste voir un truc, est-ce que... Ah, Discord me dit pas que je suis en stream apparemment, je sais pas s'il y a un truc à régler aussi là-dedans. Ah, faut-être que je relie mon compte Twitch, peut-être, à Discord, ça paraît logique. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors attention la scène, c'est parti, changement de scène, attention. Transition! Incroyable, j'ai l'impression que tout est bon. Ok, super. Vous me voyez, on a le titre de la musique et on a Totter, incroyable. Donc on est sur le compte Twitter de Destination Ciné, compte Twitter d'actualité cinéma, qui est plutôt bien foutu, hein, je trouve que c'est assez complet. Attends, je vais juste voir si mon ordi n'est pas en rade complet, ça a l'air de bien se passer. Ok. Donc je regarde, qu'est-ce qu'on a? Festival de Cannes en juillet, rien d'acté, mais ce n'est pas une rumeur. Ok. Donc le Festival de Cannes pourrait avoir lieu en 2021, ça sera en juillet donc. Qu'est-ce qu'on a? Gros carton pour le sens de la fête diffusé hier soir, ouais. Donc hommage évidemment à Jean-Pierre Bacri. Ok, on a des comédiennes qui vont réaliser des films en 2021. Ok. Oui, James Bond qui a encore été reporté, ça c'est le running gag de 2020-2021, ça. Fin 2021 donc pour le nouveau James Bond. Ça arrive bien un jour ou l'autre. Disparition de Nathalie Delon, mais ça c'est des news. Oh là là, mais c'est ouais, il n'y a pas beaucoup de news, hein. On est le 21 janvier, là sur ce tweet. Il n'y a pas masse news, hein, j'ai l'impression. Ok. Bon, je pense qu'on va vite passer à Gérard Armé parce que j'ai l'impression que c'est assez calme l'actu ciné. Ok. Alors, le temps que je change d'anglais. Apparemment, nous sommes trois actuellement, c'est incroyable. Merci d'être là, bienvenue. Évidemment, je vais faire mon forceur. N'hésitez pas à follow, bien sûr. Vous aurez une alerte sympa. Donc, n'hésitez pas à follow. Je suis une raclure déjà, absolument. Hein. Il faut... Business is business, hein, les affaires sont les affaires évidemment. On va pas se leurrer. Je ne sais pas si le son de en fond est trop. Ouais, c'est certain de show, t'es pas du tout spécialiste là-dedans, hein, on te connaît. Hein. Quel bonheur. Et si mais quoi? Ah, tu es mon mentor, hein, évidemment, bien sûr. C'est évident. Alors accordez-moi 2 petites secondes.
juste récupérer mon téléphone. Du coup, je m'en rends vraiment pas compte si le son en fond, là, la musique est forte ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal. Normalement, c'est nickel. Normalement, vous devriez m'entendre quand même et ça doit pas être trop trop fort. J'ai pas de plainte pour l'instant, donc bon. Ah, j'ai pas bon, ok. Bon. Alors, on va passer à Gérardmer, donc. Alors, avant de poser des présentations, qu'est-ce que le festival de Gérardmer? Donc, c'est un festival de cinéma, sans déconner. C'est le festival international du film fantastique. Et cette année se tiendra la 28e édition du festival, puisque le festival existe depuis. Alors que je vous dise pas de bêtises, alors attendez, je vais faire une très très vite fait. Très très vite fait, ouais, une très vite fait, une vérification. Je ne sais pas parler. 28e édition, absolument, ça tient depuis 28 ans. C'est un festival qui commence à se faire vieux. Alors évidemment. Alors mince, alors attendez. C'est un stream bien préparé. Il me manque un truc. Est-ce que je vais le trouver? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un site qui va me dire parfaitement. Ok, je crois que c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. J'ai le bon site. Alors attention, changement de scène, attention. Zblu. Incroyable! Dernière vérification. Ok. Je disais donc transition. Voilà, donc là nous sommes sur les archives du festival de Gérardmer. Donc là c'est toutes les affiches du festival depuis donc la première édition qui donc était bien en 1994. Donc voilà, 96, 97, 98, tout ça donc jusqu'à l'affiche de 2020. Voilà. Et donc bah là du coup ce site c'est génial parce que du coup ça nous permet de voir tous les films qui étaient en compétition, tous les films qui ont été présentés d'année en année. Alors par exemple, si je prends une année au pif, genre imaginons l'année 2003 par exemple. 2003, qu'est-ce qu'on avait? Alors en compétition, alors déjà le jury, on avait William Friedkin en président, excusez du peu, mettant en scène évidemment de l'Exorciste, entre autres. Donc le mec qui se connaît plutôt bien en fantastique. Alors d'ailleurs, quand je dis festival fantastique, alors c'est plus général, c'est pas que des films fantastiques. En fait, c'est tout ce qui n'est pas comédie et drame d'auteur, en gros. Tout ce qui est policier, thriller, fantastique, science-fiction, horreur, tout ça, polar, c'est tout là-dedans. Donc en fait, c'est le même genre, tout simplement. On avait qui Chicky Cario aussi, dans le Vincent Donatelli, metteur en scène de Cube, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, les films en compétition. Je vois qu'il y avait pas mal de films, un film japonais, ça doit être Dark Water, pardon, de Hideo Nakata. Il y a aussi des courts-métrages, les films en compétition, je vois 28 jours plus tard de Danny Boyle, pas dégueu. Je vois séance spéciale, La Nuit Hammer, La Nuit Trash, Rétrospective, La Peur au cinéma, ça la rétrospective, ça défonce. C'est des films qui ont plusieurs années, et le film japonais me fait peur. Lequel? Celui-ci, la Dark Water? Je l'ai pas vu, hein, mais il paraît que c'est vachement bien. D'ailleurs, bah, il a gagné le Grand Prix du Festival, d'ailleurs, hein, en 2003, pardon. Grand Prix du Festival, prix de la critique internationale, prix du jury jeune. C'est un film qui est très coté. Hein. L'Enfant Bleu. Ah oui, ça doit être... C'est pas The Grudge, ça? C'est totalement The Grudge, de Takashi Shimizu. Alors pareil, je l'ai pas vu, mais ça, il paraît que c'est un film qui est bien, bien flippant. C'est effectivement japonais aussi. Voilà, tu me mets des emotes. Je suis pas prêt, Nocha. Donc bref, là-dedans, par contre, dans la rétrospective, on reconnaît bien sûr Halloween de Carpenter, L'Exorciste, donc de Wes Craven, The Ring, pareil, film japonais aussi, The Blair Witch Project, Scary Movie, Monstre Company. Pourquoi pas. Bon, bref, je vois que Nightbot travaille bien, c'est cool. Il va forcer lui aussi, évidemment. N'hésitez pas, monsieur, sans sens critique, YouTube, hein. J'ai une chaîne YouTube depuis déjà très longtemps. J'ai vu des extraits dans une vidéo YouTube. Oui, c'est possible, hein. Si tu parles de The Grudge, c'est possible. Hein. C'est un film qui est un peu coté, quand même. Hein. Voilà. Et par exemple, alors, quelques précisions. Donc en fait, Gérardmer, donc c'est un bled. C'est un bled dans le nord-est de la France. Et vraiment, qu'un festival se tienne là-bas, c'est assez bizarre, hein, parce que c'est vraiment un petit patelin. Mais n'empêche que voilà, tous les ans, il y a ça. Donc c'est à peu près, chaque fois, c'est fin janvier, début février. Et l'année dernière, donc en 2020, j'y suis allé en présentiel à Gérardmer. Donc c'était pareil, la dernière semaine de janvier 2020. Le timing était bon, hein, c'était un mois avant le Covid. Donc ça s'est joué de peu. Donc j'y suis allé 2 jours. Donc le festival dure 4 jours et une soirée. Donc du mercredi soir au dimanche soir.
Et donc j'étais allé le samedi et le dimanche, parce que malgré tout il y avait déjà ne serait-ce qu'une journée pour y aller. C'était quasiment 8 heures de trajet aller et donc 8 heures de trajet retour par rapport à là où je suis. Donc c'était un sacré un sacré périple. Et donc j'y suis allé avec un ami qui m'a très gentiment accompagné. Et donc on a été deux jours, on a vu 10 films à cette édition 2020. Donc je me dirige vers l'édition 2020. Et on a vu, alors par exemple si on prend les films en compétition, donc on a vu Sainte Maude qui est merveilleux, qui a d'ailleurs tout gagné, hein, vous allez voir, Grand Prix, Prix de la Critique, Prix du Jury Jeune et Meilleure Musique Originale. Sainte Maude, voilà, ceux de Rose Glass, donc film britannique qui est dans la même veine que Hérédité par exemple de Ariassar si vous connaissez, donc c'est une merveille. On a vu The Room, ça c'était pas terrible, on a vu Howling Village qui est devenu Inunaki, un film d'horreur japonais, qui d'ailleurs est réalisé par celui qui a fait The Grudge, Takeshi Shimizu. Qui était pas mal du tout. On a vu Sea Fever, on a vu The Vigil qui est sorti en salle en juillet, on a vu Vivarium qui est sorti en salle en mars, lui. Il y avait aussi One Beer ici, qui était. Voilà, tout ça c'était plutôt bien. Les courts-métrages, les films en compétition là-dedans, on a vu ICU que j'ai beaucoup aimé, The Lodge, on a vu là-dedans aussi. Ça, je l'ai vu plus tard, La Dernière Vie de Simon, pareil pour Jumbo, je les ai vus plus tard, qui sont sortis au cinéma un peu plus tard. Et il y avait une grosse rétrospective pour le cinéma de genre français. Ce qui était génial, le problème c'est que malheureusement cette rétrospective c'était surtout les jeudis et vendredis. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage. Parce que du coup j'ai pas pu assister à toutes ces projections en présence en plus des metteurs en scène. Là vous voyez Alexandre Aja, qui on a là, Fabrice Duvels, Christophe Gans, Xavier Jeans, que des grands grands noms du cinéma d'horreur français. Ils étaient quasiment tous réunis. Donc on avait, alors je sais pas, bon c'est des films qui sont... Faut s'y connaître un peu, hein. faut être calé pour les connaître. Mais on a La Nuit a dévoré le monde, par exemple, que je trouve excellent lors de la sortie avec Laurent Lafitte. On a Haute Tension d'Alexandre Aja, C'est des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Calvin de Fabrice Duvels, ce genre de joyeux théâtre. On avait Revenge de Coralie Farja aussi. La Nuit à Meur, La Nuit décalée. Donc voilà, donc ça c'est un peu le programme de 2020. Bon. Pour cette édition 2021. Vous vous doutez évidemment que ça ne sera pas en présentiel, et c'est pour ça que cette année, le festival est en ligne. Et donc, quasiment tout le monde peut y participer, donc il n'y a plus la contrainte géographique, ce que je trouve assez cool. Le festival commence à l'heure où je vous parle après-demain, donc le 27 janvier à midi, très précisément. Oui, intéressant, absolument. Merci, Nocha, pour ton message. Absolument. Ça se passe donc à partir de après-demain. Ce timing, bah évidemment. C'était un peu fait pour aussi, bien sûr. Et on va donc voir un peu le programme, voir les trailers, tout ça, et voir un petit peu ce qui peut être intéressant à regarder, parce que j'ai déjà mon pass pour le festival, donc moi je suis prêt, hein. Dès après-demain, je serai à fond dedans. Alors je vais me diriger vers le site du festival de cette année. Transition ! Incroyable ! Ça fonctionne bien les scènes, je suis plutôt content. Voilà, donc par exemple ici, on peut voir déjà les courts-métrages. Et par exemple, les courts-métrages, qui est super intéressant, je vous en parlais déjà, parce que ces courts-métrages sont gratuits. C'est-à-dire que vous suffit juste, je pense, de créer un compte sur le site du festival. D'ailleurs, je vais vous envoyer le lien tout de suite, si ça vous intéresse, bien sûr, évidemment. Alors attention, je suis encore un petit peu, il faut que je me rôde. Voilà. Donc, vous avez... le lien du site du festival que je viens de vous envoyer dans le chat. Et donc, par exemple, là la sélection des courts-métrages. Donc vous avez juste à, je pense, créer un compte sur le site, assez rapidement. Et donc vous pouvez réserver, parce que les places sont limitées pour les courts-métrages. Donc vous pouvez réserver gratuitement, vous voyez, hein, 0 centime. Et ensuite, à partir du mercredi midi, donc début du festival, vous pouvez les mater jusqu'à dimanche soir, 20h59, disons. Vous pouvez donc mater ce court-métrage voilà, quand vous voulez, où vous voulez, sur ce que vous voulez. Alors je crois que juste la seule contrainte, c'est qu'une fois que vous avez lancé le film ou le court-métrage, vous avez 24 heures, je crois, pour le regarder. C'est-à-dire qu'après, au bout de 24 heures, une fois que vous l'avez lancé, vous l'avez plus dispo. Mais sinon, il est dispo sur les 4 jours et demi. Et là, on voit qu'on a 5 courts-métrages, que des courts-métrages français en plus, donc ce que je trouve super intéressant. Alors le seul truc, c'est que vous voyez que ici, le T'es morte Hélène est complet. C'est le seul qui est complet à l'heure actuelle. Sinon, les 4 autres, si vous le voulez, vous pouvez les réserver. Et comment pouvoir les mater à partir de mercredi midi. Et donc, c'est que des courts-métrages français. Donc, par exemple, si on prend Sous la mousse, on va essayer de regarder le pitch.
Voilà, vous avez les pitchs ici. Donc la babysitter d'Ivan, 5 ans, l'oblige à prendre un bain. Une fois dans l'eau, il s'aperçoit avec horreur que quelque chose remue sous la mousse. Ouh. Vous voyez par exemple que je n'ai pas encore réservé de court-métrage. C'est-à-dire qu'en fait, avec tous les films que je vais devoir voir, je ne sais pas si j'aurai le temps pour les courts-métrages. Je verrai. Si ça se trouve, d'ici là, ce sera tout parti. La réservation, je serai un peu dégoûté. Mais voilà, mais si vous par contre voulez voir des courts-métrages un petit peu d'horreur, fantastique, français, bah, n'hésitez pas. C'est, encore une fois, c'est gratuit. Hein, et c'est pas du tout un partenariat ou un genre de bêtise. Hein, bien sûr, je suis personne. C'est vrai, je vous le dis, c'est juste parce que je promeux ce festival qui, je trouve, est très cool. On a La Nuit m'appelle, par exemple. Autre court-métrage gratuit, encore bien sûr. Graziella est embauchée comme domestique chez une famille de riches bourgeois vivant reclus dans un hôtel particulier. Pardon. Une chose monstrueuse qui attend désespérément la mort depuis des années est également enfermée. Lorsque Graziella et la créature se rencontrent, quelque chose en eux se réveille. Ouh. On voit la créature ici. Plutôt belle, hein, magnifique. Et vous avez donc le casting, le metteur en scène et tout ça. Donc voilà, donc c'est tous ces courts-métrages. Alors bon, les courts-métrages, on va pas s'attarder dessus parce que je pense pas que ce soit le plus intéressant. Enfin, encore que je pense que c'est des courts-métrages intéressants, ça peut révéler des futurs grands cinéastes, bien sûr. Donc évidemment qu'il faudra s'intéresser à ça. Ensuite, vous avez la Rétromania. Donc ça, c'est des vieux films, entre grosses guillemets, donc des films du passé. Qui sont proposés en cadre du festival, donc pareil, vous pouvez les mater du mercredi midi ou dimanche soir. Par contre, là, le souci, c'est qu'on va passer très vite, parce que si vous le voyez, déjà, c'est au complet. Tout est déjà parti, malheureusement. Alors, pourquoi il y a des places limitées, je ne sais pas. Je pense que c'est une question de logistique, et de fait qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de gens qui voient les films, peut-être qu'ils ont des serveurs qui sont limités en termes de place, ce que je peux comprendre. Donc voilà, vous avez Chromosome 3 de John Carpenter, vous avez Le Loup-Garou de Londres de John Landis, vous avez The Addiction de Abel Ferrara et X-Tro. Dans les 4, j'ai uniquement vu Le Loup-Garou de Londres. C'est parti vite. Après, en vrai, la programmation a été dévoilée, je crois que ça fait presque un mois. Non, un peu moins d'un mois, 3 semaines quand même. Mais c'est parti plutôt vite. Et encore, je vais y venir, mais le pass que j'ai, c'est parti extrêmement vite. Mais je vais y venir. Voilà, donc malheureusement, les Rétromania, rien n'est dispo. Dans les 4, j'ai juste vu Le Loup-Garou de Londres, qui est un bon film de John Landis. Et pour vous donner envie de le voir, par exemple, alors, il y a une scène, un moment, je sais pas trop un spoiler, hein, je sais, c'est assez vague. Il y a une scène, un moment, donc il y a le héros principal qui est dans un cinéma, une salle de cinéma. Vous me manquez. Et il discute avec des espèces de créatures un peu mortes, enfin presque des morts vivants, quoi. Et donc, il y a une conversation extrêmement importante et sérieuse sur la mort, la mélancolie, etc. Mais en fait, dans le cinéma, il y a un porno qui passe. En même moment. Et c'est-à-dire que t'entends vraiment bien ce qui se passe, tu vois pas, mais tu entends ce qui se passe, et du coup ça crée un décalage complet, donc c'est une scène super sérieuse, mais t'as des énormes cris de jouissance, tout ça en même temps, et c'est un bonheur. Moi, c'est une scène qui m'a marqué, hein, qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, il y a ça. John Landis, c'est quelqu'un assez connu pour être un peu dans le décalage, et qui a toujours un certain second degré dans ses films, et donc voilà, Le Loup-Garou de Londres, c'est exactement ça. Et c'est vraiment cool, Le Loup-Garou de Londres. Voilà, les trois autres, je les connais, je les ai pas vus, mais Le Loup-Garou de Londres, en tout cas, voilà. Donc hélas, Rétromania, c'est déjà vite parti. On commence à arriver à quelque chose qui nous intéresse un peu plus. Voici La Nuit décalée. Alors La Nuit décalée, comment vous dire? Alors, déjà, la petite particularité, c'est que vous voyez, par exemple, c'est disponible samedi 22h, parce qu'en fait, c'est les seuls films qui sont disponibles uniquement dans la nuit du samedi à dimanche. Et c'est des films qui sont dans un délire beaucoup plus comédie qui se prend pas au sérieux, horrifique. Un exemple tout bête, par exemple le film Slacks, ici, ça parle de pantalon tueur. Et je déconne même pas. Hein. Et je vais vous donner la preuve dans quelques secondes. Ça permet de tester une autre scène, donc on va mater la bande-annonce de Slacks. Et je ne déconne pas, ça parle de jeans tueur. Une nouvelle paire de jeans, dont la gamme s'appelle Slacks, s'attaque aux pratiques sans scrupules d'entreprise et de vêtements à la mode. Lorsqu'une caissière idéaliste travaillant aux côtés de collègues branchés du magasin phare de la marque est témoin des morts sinistres de ses collègues, des mains, jambes, de la paire de jeans, elle doit tenter de comprendre ce qui anime cet article griffé pour tenter d'arrêter le massacre. Voilà. Est-ce que vraiment ça vous hype? Moi, franchement, ça m'intrigue, évidemment que c'est intriguant. Et donc, on va regarder l'annonce. Alors attention. Normalement, on peut la regarder sans souci. Alors, attendez. Je vais tester ma nouvelle scène. Vous allez me dire, évidemment, si le son est trop fort ou... Voilà. Petite... je suis un tout petit. L'écran est full. Vous êtes prêts? Alors, par contre, je tiens à vous prévenir, c'est... Il n'y a pas de sous-titres. C'est que de la VO.
Donc voilà, j'espère que vous êtes bilingue. Je sais que toi, Docha, tu l'es. Bon courage. Ça a lancé. Super. Ready. Hi there. And you are? Libby. You are here for the new collection turnaround. This is such an important night for us. A lot of people have been very keen to get their eyes on it. Jeans that automatically adapt to your body size. The Super Shapers! I want you to know I will do whatever it takes to make sure things go as scheduled. Oh my god. I'm so like totally excited I could just die. Should we call the police? We can't. We're in lockdown. What if there's a killer out there? Are you afraid there's a killer out there? Yeah. This summer. Get ready for slacks. Okay, so we know two things. It loves Bollywood music, and it has a bindi on its forehead. Slacks. Small price to pay for an awesome ass. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter? Je ne crois pas, t'as envie de le voir, mais bien sûr, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'est la nuit décalée. Je pense que c'est un parfait exemple de ce qu'est la nuit décalée. Donc c'est des films qui sont totalement perchés, qui se prennent pas au sérieux, voilà, c'est pour se marrer entre potes. C'est clairement le but de cette nuit décalée. Donc voilà, et donc ça c'est dans la nuit de Samedi à Dimanche. Bah d'ailleurs, bah, no show, je fais un petit call comme ça, si jamais ça t'intéresse, parce que il y a encore... Alors, faut pas que je te dise de bêtises. Je vois par exemple qu'il y a un pack nuit décalée, juste ici. Où donc, avec ça, tu vas pouvoir accéder à ces trois films-là de la nuit décalée. Donc Slacks et ces deux autres-là. Je crois que le pass est à 15 euros. En gros, c'est 5 euros par film. Sinon, s'il y a juste Slacks qui t'intéresse, tu peux acheter ce qu'on appelle un billet à la séance. Juste ici. Et par exemple, la nuit décalée. Voilà, hop, voilà. Alors bon, moi je vais voir le film parce que j'ai accès avec mon pass, mais normalement toi, si t'as... Oula, pardon. Normalement... Ah, je... Mon dieu, au secours. J'étais là. Donc tu peux acheter un billet à la séance à 5 euros. Tous les films, c'est 5 euros. À part les courts-métrages, bien sûr, encore une fois. Mais sinon tous les films, c'est 5 euros. Et donc, bah après, voilà, tu pourras le voir. Dès que tu l'auras réservé, tu pourras le voir de mercredi midi à... Enfin non, bah là en l'occurrence, non, ce sera que de la nuit de samedi à dimanche. Mais voilà. Mais sinon, t'as un pack nuit décalée où t'as les 3 films, donc pour 15 euros. 5 euros par film à chaque fois, et c'est pareil, tu auras on va y venir, un pack hors compétition, pareil, 5 euros par film, un pack compétition, 5 euros par film aussi. T'as pas mis de catégorie. Ah ouais? Oh. J'ai pas mis de catégorie. Il me semblait pourtant que j'avais mis Just Chatting. Bah si, j'ai discussion, moi. Non? Y'a que moi? Bah c'est une tips, mais je t'en prie. Pour moi, j'ai catégorie discussion. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une erreur de ma part, je ne sais pas. Je le vois pas, je reviens à temps. Ah, bah, dis-moi. On est encore 3 viewers actuellement, incroyable. Merci beaucoup. Merci d'être là. On s'amuse bien. Ce n'est que le début, bien sûr. Mais j'ai 21h30, c'est fou ce qui se passe. Ok, j'ai actualisé, c'est bon. Ok, super, parfait. Merci bien. Bien. Donc voilà. On va y... Mince, je me suis trompé de scène, bien sûr. Le Nightbot qui force à bonheur. donc voilà, Slacks. Bon, on va déjà faire un petit tour général et après, on va essayer d'y aller un peu plus en détail. Bon, après la nuit décalée, très vite fait, la séance spéciale. Donc ça, c'est un film qu'ils ont dévoilé un petit peu après. Donc ce qui est Aya et la sorcière. Donc pareil, qui sera disponible mercredi à dimanche soir. Donc, qui est un film issu du studio Ghibli. Studio Ghibli que vous connaissez sûrement puisque c'est le studio qui a produit tous les films de Miyazaki, Hayao Miyazaki, Princesse Mononoke, le Princesse Mononoke qui s'est réalisé aussi Le Château Ambulant et d'autres joyeusetés comme ça. Donc ça c'est le nouveau Ghibli, c'est le nouveau film de Studio Ghibli donc qui est réalisé par Gorō Miyazaki qui est le fils de Hayao Miyazaki.
Et donc voilà, ce film est en séance spéciale, donc pareil, 5 euros, vous pouvez le voir. Voyage de Chihiro, oui, c'est ça, voilà, exactement. Et ben voilà, c'est tout à fait ça. Mon cher Nocho, tout à fait, tu es tout au courant, ça fait plaisir. Donc voilà, donc là, c'est le fils de Miyazaki donc, qui nous propose ce film-là, Aya et la sorcière. Je vois qu'il n'y a pas de bande-annonce, c'est dommage. Mais voilà, ce film est disponible. Oh, il y a un message du réalisateur. Oh, attendez, je veux voir ça, c'est intriguant. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Ah, mon navigateur est trop vieux. LOL! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Attendez. Chrome. Bah ouais. Bah. Ok, bah tant pis, on verra pas le message. Bah ok, super, bah j'ai Chrome pourtant. Hein. Bon, c'est pas grave, bon. Mais voilà, la séance spéciale, c'est ce film-là, donc du fils de Miyazaki. Je sais pas ce que ça vaut, hein, bien sûr, je l'ai pas encore vu. Il est inclus dans mon pass. J'utilise Internet, non, pas du tout, j'utilise Chrome. Internet Explorer, lol. Non, j'utilise Chrome, bien sûr. Bon, c'est pas très grave. Tant que le balance fonctionne, c'est l'essentiel. On commence à rentrer dans le dur, si on peut dire, avec la nuit. Que je raconte, le hors compétition. Donc déjà, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec des films qui sont normalement dans un délire beaucoup plus sérieux. Donc on a 11 films en compétition. On a un film sud-coréen, film d'animation sud-coréen. On a un film canadien, on a un film britannique, on a des films américains, bien sûr. On a deux films russes, on a un film français ici, Les Animaux Anonymes. On a un film qui est multinational avec Indonésie, États-Unis et Corée du Sud. Improbable, mais pourquoi pas. Alors, j'ai déjà un petit peu regardé, évidemment, les synopsis et tout ça, je vais pas vous mentir. Alors, par exemple, si on prend celui-ci, Archive. Alors, celui-là, par contre, je crois qu'il n'est pas disponible à la séance. Voilà, c'est uniquement pour les tentateurs d'un pass. Donc ça, malheureusement, vous pourrez pas le voir. J'ai l'impression que c'est un petit peu une grosse tête d'affiche du festival. On a donc Théo James, si vous avez vu Divergente, par exemple, vous avez dû le voir là-dedans. Stacy Martin, qui est une actrice française, aussi. Donc ça, apparemment, ça parle de quelqu'un qui crée un robot qui veut être semblable à sa femme, pardon, on peut voir l'annonce. Même si, bon, ça n'a pas trop intérêt, parce que vous ne pourrez pas le voir. Parce que, à mon avis, c'est que pour les passes, les premiers passes qu'ils ont mis en ligne. Je vais venir encore une fois. Ouais, quand même, non, c'est pas de raison. Pareil, je pense qu'il n'y aura pas ce titre. Hein. You know, it's beautiful here. I really hope you're happy there. You know, I'm missing you. A bit. A lot. I'm working on something. To try and get you back. The subject is Elmore Julie Ellis. Term time so far, 2 years. 8 months, 4 days. She's not ready to go yet. Of course. They've never managed to connect a computer to the archive before. I waited a long time, and then I saw something. It was her. We had a visit from the archive company. They think your robots might be based around their technology. We are obliged to act with force, if necessary. I'm a risk assessor. You are a risk. I know what you're doing in there. George, I don't want it. It's as simple as that. I don't want to be trapped in a box, dead. I wanted to fix it. To make things right. What was she like? She was perfect. I want to go home. This is home. I am shutting you down immediately. They're coming for us. I never stood a chance. It's my fault. What do they want? They want you.
Ma foi, plutôt intriguant. Plutôt intriguant. Voilà. Donc, un exemple de film hors compétition. Ça a pas l'air dégueulasse, hein, ça a pas l'air dégueulasse. Hein. Ça a plutôt de la gueule. Donc, à voir après sur le produit final, bien sûr. Certainement, je regarderai celui-là hein, pour le coup. Mais si vraiment ils le mettent que pour les passes, peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Je pense qu'il y a quelque chose dedans. Et c'est un premier film. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre joyeuseté? Donc, on a un film d'horreur sud-coréen. Enfin, d'animation sud-coréen, pardon, mais je crois que c'est un truc d'horreur aussi. On a un truc qui s'appelle Butchers. Je sais qu'il y a celui-là qui m'intrigue énormément, qui s'appelle Come True. Alors, oui, une petite précision pour ceux qui sont plutôt VF. Hélas, tous les films sont uniquement proposés en VostFR, donc version originale sous-titrée français. Voilà, il n'y a aucune VF, donc soyez prévenus déjà. C'est pour ça que les trailers ne sont qu'en VO. Je regarde juste un truc. On est toujours 3, c'est incroyable. Mais déjà 43 minutes de stream. Pff, ça va vite, hein. Ça va très 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 vite. J'ai entendu un bruit. Bon, tout va bien. J'ai eu peur. Je ne sais pas ce que c'est. Super. Je vais crever. Je me rends qu'il n'y a plus de musique. Voilà, on met un petit fond sonore évidemment. Parfait. Voilà, on est bon. Donc, comme trou, Sarah unit sa main en crise, fait des cauchemars récurrents, elle décide de s'en sécher les cours et de s'enfuit de chez elle. Oui, elle accepte alors de participer à une étude universitaire sur le sommeil qui lui permettra de trouver un lieu où dormir et se souvenir à ses besoins. Espérant que ses mauvais rêves disparaissent, elle va devenir lentement l'instrument d'une découverte terrifiante. Ouh. Bonne annonce. Bonne annonce. Je vais te dire directement, on va pas perdre de temps. Elle est dehors. You know you can tell me anything, right? Yeah, I know. Have you ever had any difficulty getting to sleep? Lately, yes. Sarah? Have you ever been diagnosed with any sleeping disorders? Sleepwalking, night terrors, insomnia? I used to sleepwalk as a kid, but I haven't in years. Well, what are you studying? I can't tell you that. It's a nightmare. Are we ready? Don't you ever feel like you're seeing something that you're not supposed to? Is this your first sleeping clinic? Do you feel well rested? For some reason, we always figure out a way to simply discount them as just dreams. If I show this to you, you cannot tell anyone. Listen to me. I think your science project is fucking me up. What did you think would happen? Wake up. There. Sarah, are you okay? No, I'm not okay! Get rest, hurry! That's what I'm telling you, she's not there. Tries to reject death and dreams, you wake up. What if you're wrong? Je suis très très chaud. Non mais non, désolé Nochon, il n'y a pas les sous-titres. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les sous-titres sur les trailers. Je suis désolé, mon cher Nochon, il n'y a pas de sous-titres. Bon, enfin bon, voilà, apparemment c'est une expérience... Enfin, c'est quelqu'un qui fait des expériences sur le sommeil et apparemment ça a mal tourné. Globalement, ça va être un peu ça. Moi, je trouve que ça a de la gueule, déjà visuellement, et puis même en termes de mise en scène, ça a l'air super intéressant. Donc voilà, ça fait partie des films que je verrai avec énorme certitude. Qu'est-ce qu'il y avait aussi qui m'intriguait pas mal? Ce film-là, Les Animaux Anonymes, je vais t'inquiète, ouais, désolé. Bah, ça fait travailler ton anglais. Quel bâtard. Les Animaux Anonymes, qui est un film français, sans dialogue. Et ça, du coup, ça m'intrigue directement. Là pour le coup pas la preuve de sous-titres mon cher Noshaw parce que il n'y a pas de dialogue. Ça va plus vite comme ça. Ça dure une heure à peine. Rapport de force entre l'homme et l'animal a changé dans une campagne reculée, toute rencontre avec le dominant pour redevenir hostile. C'est un premier film en plus.
Ça, je suis ultra intrigué. Je suis intrigué de fou. Donc allez, on avance directement. Sans demander mon reste. Je suis tellement chaud, ça a l'air oufissime. Je suis tellement hypé. Alors là, déjà, là, ça passe en priorité visionnage. Hein. Ça a l'air fou. J'ai l'impression qu'il y a tout ce que j'aime là-dedans. Vraiment, ça a l'air dingue. Ça a l'air un peu violent, cela dit, mais bordel, ça a l'air dingue. Ça a l'air dingue. Alors là, il y a déjà là, ultra hypé par celui-ci. Hein. Celui-là, je le raterai pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a aussi? Des films russes, donc. Spoutnik est super deep. Oula, un petit kappa de Nacha. Ça te parle peut-être pas, je peux comprendre. Si t'as chaud, prends une douche froide. Non, il n'y a pas eu le message avant. Incroyable. Alors, c'est dommage, j'ai pas mon. Attendez, bougez pas. Je vais faire un petit truc. Extraordinaire. Non, non, c'est pas celui-là. Putain, il est fort ce con. Voilà, je sais pas si c'est trop fort ou pas, n'hésitez pas à me dire. Voilà, j'ai lancé mon petit soundboard, hein. Les vrais savent, comme on dit. Et ben vous savez quoi? Allons voir des bandes annonces de films russes sans sous-titres. Ça va me faire bosser notre russe un peu. Il me semble que Spoutnik, j'avais vu un article dessus. Paraît-il que c'est une curiosité ce film. En pleine guerre froide, un vaisseau spatial, c'est un peu trop faible. Ah! Est-ce que là c'est mieux? Putain, il est fort ce con. J'adore le russe. Ouais, gloire à Poutine évidemment, hein, bien sûr. On va voir, mais je crains qu'il n'y ait pas sous-titres. On va voir. En pleine guerre froide, un vaisseau spatial soviétique s'écrase à la suite d'une avarie. Son commandant de bord est l'unique survivant. Une psychologue de renom est dépêchée sur place afin d'évaluer l'état sentimental du cosmonaute. Elle se rend compte qu'il n'est pas rendu tout à fait seul sur Terre. Une espèce un petit peu de alien à la russe. Évidemment, trailer. C'est mieux, mais tu peux le monter un poil de plus. Ok. Je note, mon cher Nao Shao, merci pour tes retours. Et mon chat qui gratte à la porte. C'est un régal. Je lance ma bande-annonce. Si vous ne me voyez pas, c'est que je vais ouvrir mon chat. Ne bougez pas. Alors, je lance ma bande-annonce. On se retrouve juste après. Il n'y a pas de bande-annonce.
C'est intéressant. Je me suis fait un peu avoir, je vous l'avoue. Ok, alors c'est peut-être. On va aller voir sur YouTube après, sinon. Je suis un peu déçu. Mon headbot qui force, oui. Abonnez-vous, bien sûr, évidemment. Un peu décevant, je vais pas vous mentir. À la limite, on va regarder celui-là. Celui-là, ça a l'air d'être un espèce de petit film à sketch. Enfin, un sketch. Alors, sketch, c'est pas forcément des trucs comiques, hein. C'est juste un enchaînement de scénettes qui en font après un tout à peu près cohérent. Une jeune femme pénètre dans une très vieille maison funéraire afin de s'enquérir de l'annonce dans le plan d'affiché à l'extérieur. Elle est accueillie par l'imposant Montgomery Dark, croquement de son état. L'entretien d'embauche prend la forme de récits macabres racontés par le taulier, tous plus terrifiants les uns que les autres, pour le grand plaisir, pardon, de la candidate. Premier film, encore une fois. Il y a beaucoup de premiers films, hein, ça fait bien plaisir. Peut-être l'événement de grands cinéastes. Possiblement, qui sait? Est-ce qu'il y a une annonce? Il y a une annonce. This poor soul's journey has come to an end. From dust we started, to dust we return. Every corpse tells a story. It is our task to listen. So these are all stories about how people died. Some tales even I find too unsettling to recount. She's dead! You gotta get that body out of your apartment. Keep your doors locked tonight and keep an eye out for crazies. Monsters! That's pretty cool. Yes, it is, isn't it? There's no use running. Your story is just beginning. Déjà, tu sens tout de suite que c'est pas le film pour les moins de 12 ans, celui-là, déjà, hein, à mon avis. Ok, bah. Je sais pas, je suis intrigué. Il me dit que ça peut être. J'ai l'impression qu'il y a une certaine envie esthétique. Bon, même si il a l'air d'avoir aussi un petit côté un petit peu, comment dire. Enfin, bon enfant, c'est très vite dit, mais je sais pas, je vois des fun as hell, tu vois. Bon, je pense qu'il y a aussi un petit côté un petit peu euphorique. Ça se prend peut-être pas à fond au sérieux. À voir. À voir. Moi, je sais pas, ça fait partie de mes intrigations, ça se dit pas du tout. Ça fait partie des films qui m'intriguent dans le hors compétition. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi? Je sais pas, moi. Ce film-là, mi-indonésien, américain et sud-coréen, c'est totalement improbable. Ah, langue indonésienne. Let's go, les gars. Donc, ça sera de l'indonésien. Si vous voulez réserver votre indonésien, c'est maintenant. La chance sourit enfin à Maya en apprenant qu'elle a hérité, pardon, d'une maison située dans son village natal. Elle décide de se rendre sur place avec Dini, sa meilleure amie, sachant que les habitants à la recherche depuis des années, afin de conjurer une malédiction pesant sur les lieux. Allons-y. Il est sous-titré anglais. Voilà, ça sera pas mieux. Mana? Orang tua itu nggak terlalu penting. Ya, tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih. Apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Ya, emang desa itu tuh desa tempat kecil, Mbak. Nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Sini kok banyak banget ya, kuburan anak kecil. Thank you.
harus aku hapus. L'ambiance est un peu délétère, je sais pas pourquoi. Ah ouais, déjà par rapport au jean tueur, on n'est pas du tout dans le même délire. Hein. Là, ça a évolué. Là on n'est plus dans le même délire. Là, on ne joue plus. Là, on ne rigole plus. Ok. Je suis plutôt. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Ça a l'air bon, ça a l'air bien flippant et un peu dégueu, mais pourquoi pas. Ça fait partie. Pour les enfants, celui-là, je reconnais. Bien sûr. Pour le petit frère de 5 ans, je pense qu'il va adorer. Franchement, ça a l'air de régaler celui-là. Donc voilà, là clairement, on est clairement dans le cœur du festival avec ce genre de film là, on ne joue plus avec ce genre de truc. Ok, on va passer un petit peu à la compétition, et après on va revenir peut-être sur 2-3 trucs évidemment. Il y a à peine 22 heures, on a encore le temps. La compétition, alors la compétition, la différence avec le hors compétition, c'est que ces films là sont éligibles pour des prix. Alors si c'est les mêmes prix que l'année dernière, donc on aura le grand prix, qui est le prix ultime. On a le prix de la critique, donc ça c'est remis par des journalistes professionnels. Critique de cinéma. On a le prix du jury. Donc jury. D'ailleurs, je crois qu'il a été dévoilé le jury d'ailleurs. Attendez, bougez pas. On va aller sur le site officiel du festival. Jury. Oui, le jury long métrage a été dévoilé. Alors attendez, est-ce que je vais y avoir accès? C'est quoi ce site? Jury long métrage. On a qui? On a Bertrand Bonello, donc qui est le président visiblement. Donc alors c'est un metteur en scène, hein, il me semble, Bertrand Bonello. Il a réalisé donc 8 longs métrages hein, quand même. Hein, 8 longs métrages. La Polonide, ça me parle. Nocturama, ça me parle aussi. Saint Laurent, ça me parle également. Ok. Donc c'est président du jury cette année. Donc ils vont remettre un prix, hein, ce jury, donc le prix du jury, tout simplement. Nora Mzaoui, peut-être. Maxime Chattam, l'auteur, auteur, bien sûr, de la saga. Putain, comment ça s'appelle? Merde. Ah non, comment ça s'appelle? Je l'ai lu en plus, la saga de Maxime Chattam. Oh mon dieu. Je crois que ma mère suit le live, elle est en train de m'écharper en ce moment même, parce qu'elle se dit, putain, il le sait plus. Je ne sais plus, maman, je ne sais plus. Bah, c'est Entre-Monde, non? C'est pas ça, la saga? Je vais tricher, hein. Je suis désolé. Veuillez m'excuser, je vais tricher. Maxime Chattam. Sur la page Wikipédia. Clique dessus, il y aura la réponse. C'est tout à fait vrai, tu es très intelligent dans le choix, merci beaucoup. Ils vont certainement me le dire. La trilogie du mal, c'est pas ça. Oh là là. Ah, il y avait un prix du roman fantastique, là je vois, fait sur les Germains 2003. Final of Crash de Stephen King, Le Signal, L'Illusion, Roman d'épouvante. Non mais c'est dingue, je ne le vois pas. Non, attends. Oh là là, ma mère va me dé... Outre-Monde. J'étais pas si loin avec Entre-Monde, j'étais pas si loin. Ok, voilà, donc ça j'ai tout lu. Ça fait partie des rares bouquins que j'ai lus. Voilà, donc Maxime Chattam, je le connais. T'es sûr, c'est lui. Ah oui, Maxime Chattam, totalement, oui. Totalement lui. Voilà, le voilà. C'est totalement lui. Donc auteur français, bien sûr. Et donc qui a aussi écrit donc voilà donc il a la trilogie du mal, le cycle de l'homme et la vérité, diptyque des temps, lui, enfin voilà, il a plein de séries, il a fait des pièces de théâtre, des bandes dessinées, tout ça. Voilà, c'est quand même un auteur assez reconnu dans la profession voilà. Donc Maxime Chattam, donc Nora Mzaoui qui est une comédienne qui est jeune dans 2-3 films, qui était chez Anne Barthès à une époque. Gaspard Yale aussi, un acteur français, Camille Jordana, bon. Qui est cet homme? Alexandre Pachulski, qui est-il? Docteur en intelligence... Oh! Docteur en IA. Son ambition permet au plus grand nombre de comprendre ce que l'intelligence a fait, comment elle affecte. Nanana. Quand elle fait dans le travers. Ah, il a écrit un livre où il parle, d'accord, où il parle de ciné avec Blade Runner, Heure... ou Robocop. Ok, donc ça va être un peu ciné de cinéma. Pourquoi pas, voilà. Bref, en tout cas, ce jury va remettre le prix du jury. Voilà, donc il y a le grand prix, prix de la critique, prix du jury, il y a le prix de la meilleure musique originale, et il y a aussi le prix du public. Alors, je crois que cette année... Alors, je me rappelle que l'année dernière, ça fonctionnait. Bah, d'ailleurs, je vous ai pas montré mon pass de l'année dernière. Pour preuve que donc j'y suis allé, je sais pas si vous le voyez bien là. Vous voyez pas terrible. Attendez. Vous voyez pas terrible du tout. Ouais, bon, c'est marqué Jérémy, faut me croire. Il y a mon nom. Passe week-end. Parce que je suis allé avec le week-end.
Voilà. Bon, c'est à l'envers, hein, du coup, parce que, mais voilà. Ça, c'était mon passe de l'année dernière. Bref. Et donc, pour le prix, je me rappelle que quand on allait voir des films en compétition l'année dernière, donc en rentrant dans la salle, on nous voit suffisamment, t'inquiète pas, super merci Nocho. Je remets un peu de musique parce que je vais parler un peu là. Je suis un peu bavard, désolé. En même temps, il est que 22h. Je disais donc que... Je vais y arriver à parler, hein, je vous assure, je vais y arriver à parler. Donc oui, quand on rentrait dans la salle, on nous donnait un petit coupon. Avec le film, et donc on pouvait déchirer, donc on avait un petit coupon, donc une étoile, deux étoiles, trois étoiles et quatre étoiles, et donc après le film, à la sortie de la salle, on donnait le coupon correspondant à notre note, qu'on donnait sur quatre étoiles, et le prix du jury, ben, c'est celui qui avait donc, le prix du public, pardon, c'est celui qui avait eu la meilleure moyenne. Alors là, je crois que juste, c'est à la fin du festival, tu as tous les films en compétition, et merci Wikipédia. Ma mère qui me clash. Mais oui, c'est Autre Monde, maman, je suis désolé, j'ai oublié. Elle va m'en vouloir, c'est terrible. Bah oui, mais je le sais. Autre Monde, bien sûr, j'ai tout lu en plus, hein, pour une fois que j'ai lu des bouquins. C'est terrible, je suis désolé. C'est le stress. Donc voilà. Donc là, je crois que c'est juste, tu choisis ton film parmi la compétition, tu cliques sur je vote pour lui, c'est celui qui aura le plus de votes, qui gagnera le prix du public. Voilà, donc ça sera beaucoup plus simple. Bonsoir, maman de Juju. Alors, elle regarde le live, mais elle ne peut pas chatter. Parce qu'elle n'a pas de compte Twitch, tout simplement. Mais normalement, elle suit le live. Merci, maman, d'être là. Bisous, bisous, bien sûr. Merci pour l'amour. Hein. Je mets un peu d'amour aussi pour la daronne, évidemment. Voilà. Ça, tu vois, c'est l'emote de Didi, ça, tu vois. Lui qui est un streamer professionnel, évidemment. Bien! Donc, les films en compétition, on y arrive. Donc, il y en a 12 cette année, 12 films en compétition. Je pense qu'il y a du très lourd. Je pense qu'on va vraiment se régaler avec cette sélection. Alors, un exemple d'un film qui me hype bien. J'avais vu quoi déjà ? Anything for Jackson, par exemple. Faut sub à ma chaîne pour la voir. Écoute, alors déjà faut que je lui explique. Faut que je lui explique déjà le principe de follow et de sub, tu sais, c'est compliqué. Mais je lui expliquerai. Elle lâchera son prime, t'inquiète pas. Enfin bon, en vrai c'est son prime que j'ai lâché pour toi, donc. C'est terrible. Henri, obstétricien, et son épouse Audrey viennent de perdre Jackson, leur unique petit-fils, dans un accident de voiture et sont accablés de chagrin. Leurs croyances satanistes leur enseignent qu'il est possible de faire revivre le défunt à condition de lui trouver un hôte adéquat. Ils décident alors de kidnapper une patiente enceinte avec la ferme intention de réaliser un exorcisme inversé. Mais Jackson ne sera pas le seul fantôme que les grands-parents ont invité chez eux. Ouh, un exorcisme inversé. Tu as plié ta mère. Mais non. Mais déjà, elle fait des efforts, hein. Déjà, elle est là, c'est... Tu as pillé, oui, absolument, je lui ai volé son prime, tout à fait. Je t'aime, maman, bien sûr, évidemment. Donc, bonne annonce, évidemment, bonne annonce. Alors, peut-être que ça fera un peu peur, hein. Je préfère vous prévenir. My name is Audrey, and this is my husband Henry. We don't want to hurt you or your baby. We feel this would be the best way for you to go missing. DeWalt, morning. Here to clean your drive. No, everything's okay. Thank you so much for the book. Hail Satan. Hail Satan. So you've seen some ghosts, huh? No one has more time than a grieving family. We can do this. He's coming back to us. Trick or treat.
Oh, le mec qui a fait dans la tondeuse, là, ça me rappelle le phénomène de M. Night Shyamalan, pour ceux qui connaissent, qui a fait partie de mes traumatismes d'enfance. Ça rigole. Ok, bah, ouais, ça a l'air assez vénère, hein, on va pas se mentir. Ma mère te dit bonsoir, no show. Maman, si tu m'écoutes, no show. Et Dylan, pour l'information, si jamais tu n'avais pas compris. Je suis pas prêt à te le dire. Et j'ai bien lu que tu étais pilé aussi. Finalement, je ne sais pas le sens de ce que ça veut dire, mais bon. Oui, ah bah non, si, pillé, oui, pardon. Oh là, je suis fatigué, c'est terrible. Information importante. on ne sait jamais. Bref, un effet pour Jackson, donc, intriguant. De toute façon, alors, ça va aller vite. De toute façon, les films de la compétition, je vais évidemment les privilégier, bien sûr. Je peux déjà vous dire que je ne regarderai pas, pour le festival, La Nuée, Possessor et Teddy. Alors, pourquoi ? Pas parce que c'est des films qui ne m'intéressent pas, au contraire, c'est des films qui m'intéressent énormément. Mais c'est trois films qui ont d'énormes chances d'arriver en salle de cinéma. C'est-à-dire que, bah, par exemple, La Nuée devait déjà sortir fin 2020. Pareil pour Teddy. Enfin, en tout cas, il devait sortir début 2021. Et Possessor, je sais que ça fait un moment qu'il est prévu pour les salles. C'est donc, étant donné que j'aime la salle de cinéma, je préfère les découvrir en salle. Tout simplement. Il y a de grandes chances que ce soit des films qui repartent avec des prix, notamment La Nuée, qui a une énorme hype, qui paraît-il est incroyable. J'ai tellement envie de le voir, La Nuée. Vous avez même pas idée. Et donc ça m'embête hein, de pas le voir dans les jours. Et promis, j'irai sur son site une prochaine fois. Oh ! Tu auras peut-être un follow, mon cher Nacho, de ma maman. Incroyable. C'est incroyable. Elle est trop gentille, merci beaucoup. Bref, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, voilà, donc c'est des films que j'ai très très envie de voir, mais hélas, je vais attendre la salle de cinéma. Je préfère quand même les découvrir en salle, mais j'ai très envie de les voir. La Nuée, je vous montre la bande-annonce pour que vous compreniez pourquoi je suis hypé. C'est français, La Nuée en plus, donc il n'y aura pas de sous-titres pour le coup. Difficile pour Virginie de concilier sa vie d'agriculture avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa femme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus. Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles. Déjà avec un pitch comme ça, déjà. Donc, film de Juste Philippot. Juste, il s'appelle Juste, hein, bien sûr, pour ceux qui ont la ref. c'est Juste Philippot. Mais c'est quoi son prénom? Bah juste, JPP le speech. Ah, non, alors par contre, c'est un film sérieux, par contre. Là, pour le coup, je pense que c'est un film sérieux, je pense que tu vas le voir tout de suite avec la balance. J'espère pas qu'elle y est. Je suis full hype, hein, je vous le dis encore une fois. Gaston, t'allais oublier ton sweat, toi? Non, je vais le prendre, hein. Regarde, je t'ai tout mis, là. Bonne journée. Ça va? Quoi? T'as pas l'air bien là. Alors effectivement, c'est très court, ça n'en dévoile pas beaucoup, mais je trouve que c'est extrêmement intriguant. Surtout, encore une fois, c'est français, ça fait tellement du bien de voir des films comme ça en France, bordel. Il en faut tellement plus. Si ça peut casser l'image du cinéma français, où c'est que des comédies populaires racistes ou des drames chiants d'auteur, bah, ça fait bien plaisir. Donc voilà, ultra hypé, et donc je décide de le garder pour la salle, mais j'ai tellement envie de le voir. Et pour le coup, No Show, par contre, si le film t'intéresse, et que tu ne veux, et que tu ne peux, et que t'as pas envie d'attendre la salle, ce que je peux comprendre... Encore une fois, tous les films que je te présente depuis le quasi-début, là, tu peux les réserver pour 5 euros, encore une fois, sans problème, bien sûr. Voilà, et tu auras accès de mercredi midi à dimanche soir. Je le rappelle aussi pour les autres qui seraient là. Juste une petite vérification, est-ce qu'on est toujours... On est toujours 3, c'est incroyable, je vais avoir peur. Ah, mais par contre, c'est possible que le film soit un peu flippant, c'est possible. Et c'est possible, je ne garantis pas que ce soit des films tout public, hein. C'est pas le principe du festival. Je préfère préciser, effectivement. Voilà. Donc La Nuée, j'ai très 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 envie de le voir. Mais j'attendrai à la salle. Tout comme Teddy, pareil, qui est un film de genre français, exactement dans la même idée. Bien sûr, bah oui, bien sûr, tu travailles demain. Moi, je suis en vacances. C'est l'avantage, mais bien sûr. Merci infiniment, Nacho, d'avoir été là. Merci beaucoup.
Merci mon bro, merci infiniment. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et à la prochaine, bien sûr. Merci d'être passé, c'est super gentil d'être resté en tout cas. Merci beaucoup. Je te souhaite une très très bonne nuit. Bisous bisous, salut salut. Merci, hein. Merci encore d'être là, d'avoir été là, surtout. Aucun problème, hein, Nocha, aucun problème, je comprends parfaitement. Bon courage pour demain. Gros bisous. Continuons donc, chers amis restants. Qu'est-ce qu'on a? Je suis en train de me ce que j'en ai pensé, mais tu en as vraiment bien, tellement de... Ah, merci beaucoup. Ah, merci infiniment, merci. Oui, peut-être que tu peux me donner des conseils, c'est possible. Des bisous, merci. Merci beaucoup encore d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne nuit à toi. Donc Teddy aussi, film pareil, film de genre français. Pareil, donc sortir en salle, je le réserverai pour la salle, mais très envie de le voir. Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise un avenir radieux. Pour eux, c'est un été ordinaire qui s'annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales. Oh. Donc un film réalisé par Ludovic Boukarma et Zoran Boukarma, des frères, je suppose, avec Anthony Bajon. Anthony Bajon, qui est cet homme-là d'ailleurs, un acteur qui est une sacrée. Qui, je pense, peut vraiment devenir quelqu'un d'intéressant à l'avenir. C'est déjà une vraie révélation, ça fait déjà quelques films qu'il tourne. Il a joué dans. Il a joué dans Au nom de la Terre avec Guillaume Canet l'année dernière, qui était plutôt un bon film. Et je crois qu'il avait été nommé pour le César d'un révélation il y a 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Mais non, je pense que ce mec peut aller loin. Bon, annonce, évidemment. Encore une fois, c'est en français, donc. Pas de sous-titres, vous allez tout comprendre, ça va être génial. Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Benjamin, peux-tu nous rejoindre? Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci et félicitations, Benjamin. Merci. Ok, alors j'avoue que l'extrait n'est pas très parlant. D'ailleurs, c'est plus un extrait qu'une annonce. Bon, c'est peut-être pas très parlant comme ça, je ne sais pas. Mais après, c'est bien parce que du coup, ça en dévoile pas trop. On peut déjà un peu voir le personnage donc, de Teddy, qui a l'air un espèce de petit voyou, hein, voilà, qui a pas l'air très, très dans les règles, dans les... Bon. Voilà, c'est un petit extrait qui en dévoile pas trop, c'est bien aussi. Ça laisse pas mal de mystère. Bref, ça sera pour les salles, encore une fois. Bon, passons à des films que je verrai sur ces 4 jours, bien sûr. Pour, du coup, des films qui ne sont pas assurés d'aller en salle. Donc là, pour le coup, je vais y aller. Il y a notamment... Bah, par exemple, il y a Host, qui est un film qui a été tourné pendant le confinement, apparemment. Où, donc, c'est un peu dans le même principe que Unfred Dead, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est-à-dire que ça sera apparemment tout filmé sur un écran de PC. C'est une conversation sur Zoom. Et apparemment, c'est des amis qui s'engagent donc, pour une séance de spiritisme. Bon, en général, quand il y a ça dans le pitch, je suis pas sûr que ça va mal tourner. Donc voilà, là c'est totalement film d'horreur épouvante, tout ça, tout ce que vous voulez, donc avec le principe des webcams, tout ça. Un peu comme un Fanden pour ceux qui connaissent. Donc attention, là par contre ça va faire un peu peur, hein, je préfère vous prévenir. Have you ever done anything like this before? I've never done this over Zoom. Obviously, we're not physically together, but there's no reason why Spirit can't communicate over the internet.
Nothing's gonna happen. Visualize us sitting in a circle. Spirit, we invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Please come forth. What was that? Amy, was that you? I heard it. I heard something. I think there's something here. Did you see that? Oh, Emma. No. Funny. There's something. You know, we've connected with something. We gotta keep going. We gotta talk to it. This is not good. I told you not to disrespect the spirit. It could be something demonic. Hey, this is all your fault! Emma, turn the filters off. Come on. Ça a quand même l'air un peu genre fou le jumpscare gratuit. Et surtout, je pense que le malgré tout, la force d'Unfriended Dead pour moi, c'était que le film se passait intégralement. Avec le, non, c'était Skype à l'époque du film. Ça se passait intégralement sur Skype. C'est vrai que là, apparemment, il y aura des zooms chez certaines personnes. Donc, plein écran, tout ça, etc. Unfriended Dead, jamais on ne quittait le multi-fenêtre de tous les participants. Jamais. Et c'est ça qui rendait le truc ultra immersif. C'était formidable, ça. Là, pour le coup, j'ai l'impression que ça a un peu triché. Donc, je sais pas. À voir. C'est, bon. Ça allait être un peu de jumpscare facile à gogo. On verra bien. C'est pas un film qui m'intrigue le plus, hein, je vais pas vous mentir. Par contre, un film comme, par exemple, je sais pas, Mosquito States. Alors ça, par contre, je trouve que le pitch est assez intriguant. Août 2007, Richard Boca, un analyste de Wall Street qui réside seul dans un appartement luxueux avec vue imprenable sur Central Park, exploite sans relâche des données financières et commence à avoir de sinistres visions. Ses modélisations informatiques se comportent de manière désordonnée alors que des nuées de moustiques envahissent son penthouse. Cette fois, c'est des moustiques. Ses manifestations étranges commencent à jouer sur sa santé mentale. Bon... apparemment ok on peut toujours pas voir les trucs les... ah attendez peut-être que si commentaire du réalisateur pourquoi ça fonctionne pas mais Quiet Old mais mec c'est la version de Chrome qu'est-ce que tu me chantes bon tant pis bah c'est mieux on aurait pu bon, on aura pas les commentaires de metteur en scène bonne annonce let's go les gars. C'est parti. Apparemment, c'est encore un extrait. Bon voilà, c'est un extrait qui, mais déjà, il a l'air d'avoir une ambiance, il a l'air d'avoir une certaine esthétique, donc avec ses teintes de violet. Et, intriguant. Encore une fois, c'est un extrait, même une annonce, mais ça a l'air intriguant. Donc voilà, ça, c'est un film que je pense que je verrai pour le festival. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Donc, Possessor, ça, c'est le fils, ça, c'est un film de Brian Cronenberg, qui est le fils de David Cronenberg. Alors, pareil, je le garderai pour les salles, mais déjà, il y a un casting qui est plutôt intéressant. Jennifer Jason Leigh, Sean Bean, ne serait-ce que ça. Donc Brian Cronenberg, donc fils de David Cronenberg.
Donc Tazia Vow, c'est une agente au sein d'une organisation secrète 8, hein, utilisant une technologie neurologique qui permet d'habiter le corps de n'importe quelle personne et la pousser à commettre des assassinats au profit de clients très riches. Mais tout se complique pour Tazia, je sais pas comment je prononce bien, lorsqu'elle se retrouve coincée dans le corps d'un suspect volontaire dont l'appétit pour le meurtre et la violence dépasse le sien de très loin. Oh, c'est intriguant tout ça. Mais allons-y, bonne annonce, donc du film du fils de David Cronenberg. You have a very special nature. One we've worked hard together to unlock. Des sous-titres français, alléluia. Hold me out. The results are normal. Anything you want to flag? No, I'm fine. Mom! Hi, darling. How was your trip? Dull. Extraordinarily dull. Our next contract's a big one. The target is the CEO of the largest operation in the U.S. You'll be binding to Colin Tate. We can't afford any mistakes on this one. Ready? Today. What do you mean? I'm in place. Can we help you? Finish this. What are you doing? I can't pull the trigger. I need to know. I need to know what she's done to me. It's become a danger. Where is she? Come out or I'll do it! Sometimes that small thought is all it takes to lose control. T'es très jolie, tu sens très bon. Et Sky, tu follow. Salut Sky, comment vas-tu? T'es très jolie, tu sens très bon, évidemment. Ah, ça, elle me manquait cette alerte. Merci d'avoir follow, ça fait du bien. On est en train de mater des bonnes annonces, c'est incroyable. Comment vas-tu? J'espère que tu vas pouvoir chatter avec nous. Bienvenue. Comment vas-tu en cette belle soirée? Merci de passer, ça fait plaisir. Donc voilà, Possessor, donc le film de Brandon Cronenberg. Ça a l'air assez intriguant, il a l'air d'avoir une certaine patte artistique intéressante. Pareil, ça a l'air de jouer aussi un petit peu avec les corps, comme ce cher papa David. À voir, donc pourquoi pas. Et en fait, vous voyez, ce qui m'assure le fait que... Enfin, ce qui m'assure que les trois films seront bien en salle, donc La Nuit était dit et Possessor, c'est qu'en fait, c'est trois films qui sont distribués par Jokers. Je viens de voir ton tweet. Oui, bah oui. Oui. C'est vrai que j'ai été... j'ai mal géré ma com, je le reconnais. Je l'ai fait un peu tard, machin. Bon, je ferai mieux le prochain stream. Après, bon, qu'il n'y ait pas trop de gens, ça me va aussi, parce que ça me met trop de pression, sinon. Attendez, je regarde juste un truc. Je me rends compte, j'ai évidemment mis très peu de musique pendant ce live. Je te montre un peu mes différentes scènes, hein, bien sûr, évidemment. On est toujours trois, c'est incroyable. C'est fou, quand même, hein. Après 1h20 de live, on est toujours là. C'est incroyable tout ça, c'est incroyable.